home by the roadside in a broken down carriage, aiming to life on the road. Cha-ching! Thanks, buddy. Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7 Day to Die. Alors on se retrouve directement à la sortie du trader et dans l'épisode d'aujourd'hui, eh bien on va rentrer à la base et on va attaquer tranquillement les déménagements et l'aménagement aussi de la nouvelle base. On va retirer ce truc là. Histoire de dire... Ça me fait flipper. En plus, je suis quelqu'un qui a le vertige naturellement et j'ai également le vertige dans les jeux vidéo. Ça a exactement le même effet. Alors, un peu moins que dans la vraie vie, du coup, mais quand même. Et là. Ouais, ça fait un sacré trou quand même. J'ai vu ça. Ça fait une belle descente. Ok. Ouais. La prochaine fois qu'on ira là, faudra faire gaffe parce que ça gérerait pas de tomber dans notre propre trou. Alors, je serais peut-être coupé un petit accès. Un petit accès par le haut. Par sécurité. Ok, on va voir si. Regardez. La Jeannette. Ah, c'est trop tard, t'as crié. T'as déjà fait du bruit. Elle. Ouais, ça on n'allait pas. Ah, on a un asthmat. Avec un peu de chance, il va nous buter un truc cool. Oh, de la fibre pour réparer les trucs militaires, ça c'est bien. Si. Enfin, on l'a pas faite. On est en train de la lire. Voilà. On n'oublie pas. Le matériel intéressant. On va ranger ça précieusement dans la base. Ok. Ah oui, alors attendez. Ouais, dégâts d'entité 53. C'est parce que j'avais un fois quand j'avais fait le test, j'avais pas les bonnes flèches. Donc en effet, ça envoie du pâté. Ok, on va poser les trucs solar blanc. Alors attendez. On a solar, solar et solar blanc. Attends, comment ça marche? J'espère que je peux l'enlever après. Hein. Ok, je pense que ça se met en extérieur. On va aller voir ça. Mettrai ici. Ouais, c'est ça. Alors je vais pas le mettre tout de suite parce que si on peut pas le déplacer, je vais me retrouver comme un couillon. J'irai vérifier sur internet si on peut les déplacer une fois qu'on les a placés. Et donc j'ai bien fait de le prendre parce que mes trucs solaires sans la banque, ça servait à rien du tout. Elle est là. Ok, comme ça on va pouvoir s'intéresser à l'électricité. Alors du coup on ira sûrement mettre ça dans l'autre base. Il a bientôt terminé. Bientôt terminé, c'est très relatif. Ça, c'est fini. Ouais, nickel. Ça, c'est fini. Nickel. Alors, hop. Yep. Là, j'ai rien à prendre. Éventuellement, je vais lâcher ces trucs-là. J'ai de quoi manger. Carte. On gardera sûrement une petite forge ici. Parce que dans celle-ci, vous voyez, j'ai encore tous ces trucs-là. Et vu comme j'ai galéré pour les avoir. Je vais même la... désactiver. Ouais, je vais me faire ça. J'aimerais finir quand même ici. Ok.
clé en alliage, je prête. Ok, il va falloir que je refasse des pioches et tout ça. Alors je vais quand même garder ça pour renforcer. Ah ouais, j'aurais peut-être dû faire de l'acier. Et plus beaucoup. Bon, on va remettre ça en service de l'autre côté. Je vais prendre du matériel à fondre. On prend du ciment. Ok, super. Allez, zou, on est parti. Ok, super. Bah, on va déjà... Alors, on va reposer les forges. Ça, c'est les forges. Ça va être les forges à ciment. Ok, forge à ciment. Pareil ici. Et puis là, mélange à béton. Ok, super. Alors on va aller... J'ai fait de la merde. J'ai oublié de prendre... J'ai oublié de prendre mon truc à clous. Ah, c'est moche. Bon bah je peux retourner le chercher. Alors, ça serait moins con quand même de poser avant ici. Comme ça je vais revenir avec plein de choses. Ok, bon ça on va récupérer sur place. Je pense. De la bouffe, j'en ai sur moi. Ouais, j'en ai pas mal sur moi. Alors lui, il tourne plus. Alors éventuellement, ici, on va prendre ça. Génial. On va pouvoir déplacer aussi la chemistry station. Musique inquiétante. Ok, ouais, bon, rien qui me rende complètement fanatique. Ça, je le prends aussi. On va tout déplacer là-bas. Et surtout, on n'oublie pas le pistolet à clous. On va prendre le hauteur, tout le béton qu'on a ici. On va même se prendre ça. Et déjà, ça sera pas mal. Ouais, puis on va prendre de quoi faire quelques crafts. Actuellement, je vais prendre ça et ça. Ça va me permettre de faire le soufflet. J'ai pas de bois. J'ai dû le laisser là-bas. Ouais, il est resté là-bas. Ok, on est arrivé ici. Oh, il a froid. Oh, attendez. Je vais ranger ça. Pour éviter de cramer. Alors, j'aimerais bien qu'il y ait une petite orbe qui tombe dans le trou. Pour voir ce que ça donne. Ça c'est bon ça. Alors, si on est riche en acier, on passera peut-être au cran supérieur. Ok. Donc là, on va pouvoir installer la petite chemistry station. Alors, on va peut-être se faire un petit espace comme ça. Voilà, comme ça on a tout un peu sous la main, ça va être pas mal. Et puis ici, on mettra l'établi. Ça paraît bien, ça. Là, comme ça, on a notre petit espace de travail. Nickel. Alors, ça dit quoi, là? Je continue de tourner. Là aussi. Ok. On va lancer les ciments pour exciter un petit peu les crieuses. On va laisser ça là.
Vous voyez, j'ai récupéré le crucible, la boîte à outils, le lot de matrices d'outils. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Et puis on va pouvoir se faire le soufflet. Ok. On va aller travailler un petit peu à l'étage. Alors là par contre il va falloir renforcer ici avec l'acier. J'ai ce truc là qui est à moitié... c'est pas terrible ça. Voilà. Alors je pense que je ferai des sas ici, vous voyez, ouais, au cas où la défense craque comme ça, j'aurai le moyen de me réfugier. Ok. Ah, on va peut-être avoir notre premier client. Ça serait pas mal. On va renforcer ici. Je pense en bas d'abord. Je noterai hein, que j'ai pas pensé à prendre une doudoune. Ok. Je pense qu'on peut renforcer juste ça comme ça pour l'instant. Ça paraît pas mal. Alors ce que je vais essayer de faire, j'ai pris des torches. Je vais essayer d'en caler une petite. Ouais, bien. Voilà. Alors j'aurais peut-être juste un petit couloir ici. Ouais, ça va être un des objectifs. On va creuser pour faire tout le tour. Je vais le faire que sur 3. Ok, bon bah j'ai fait tout le tour, vous voyez. Maintenant j'ai un passage. Alors vous avez vu, c'est une base inversée. C'est-à-dire qu'avant on était dans la cage et on tapait les zombies qui étaient tout autour de nous. Et là cette fois ils seront enfermés à l'intérieur et on les tabassera comme ça. Alors, un truc qui est cool par contre, c'est qu'on pourra les bouger si on sent qu'un endroit faiblit. Il nous suffira de tourner. Il faut que je m'assure que tout est bien sécurisé. Ouais, ça a l'air bien là. Alors, voilà, je vais faire toute la partie déjà inférieure. Normalement, ils vont se péter les jambes en tombant, donc c'est vraiment cette partie là qui peut être potentiellement fragile. Ouais, j'en ai plus. Ok, bah ça tombe bien. J'ai mon soufflé qui est fait. Forge.
faudrait même en faire plusieurs. Ah, il ne tombe pas. Il ne tombe pas du tout. Je ramène aussi la cuisinière. Il va falloir que je ramène aussi la cuisinière. D'acier forgé, il me faut surtout de la clé et de l'iron. Ok. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux forges à production. Pour l'acier forgé, il faut un crucible. Donc ça, j'en ai pas trop besoin. Et le crucible, il fallait quoi pour le faire ? Mechanical Park, ok. Ok, voilà, deuxième forge. Ça va tourner tranquillement. Alors il va falloir que je fasse un deuxième crucible ici. Pour l'instant j'ai pas le matériel, bon c'est pas grave. Alors je vais passer vite fait à la base, chercher un peu de matériel. Et je pense que je vais faire, parce que là les allers-retours, ça devient un petit peu relou. Je vais peut-être commencer à faire le passage à mini-bike. Enfin, une grande montée qui va aller jusqu'à la surface. Bon, je pose des affaires et puis je vais à la base chercher du matos. Ok, alors, bon, bah, je vais récupérer ici un petit peu de matos, notamment bah, ici. On va récupérer ça, et puis je vais récupérer de quoi faire à manger de l'autre côté. Ah oui, alors, on va replanter des graines, parce qu'on avait, j'avais pas pensé à le faire la dernière fois. Okay. Nickel. On va se faire une ligne de coton. Ça va être pas mal. Oula, chien. Ah, j'ai plus de flèches. Hop. Oula. Ouais, d'où tu me touches et moi je te touche pas là. Ouais, puis il m'a. Alors attention, hop là. On a plus de chien, non. Bon, le coup des flèches c'est moche. Hein. Elle est où derrière la crieuse? Elle est où? Elle est là. Oh là. Yes. Oh bah dis. Voilà, on va. On va essayer de viser correctement. On a le petit gros là. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une crieuse dans le coin? Il y en a un là.
Allez. J'aimerais finir. Ce serait bien que vous alliez plutôt à l'autre base. Qu'on puisse tester un petit peu tout ça. Ok. Bon, c'est bien. Ça fait monter un peu le glanage. Du pognon. On n'a rien d'intéressant. Bon, je pense à me refaire des flèches. Ouais. Il y en a encore un là qui se balade. Ok, j'en étais où? Ah oui, j'ai la bière. On va pouvoir se faire de la bière. Voilà, on va mettre aussi ça. Bon, c'est un peu dépareillé, mais bon, c'est pas grave. Ok, il me reste une ligne à faire. Je vais la faire ici. C'est le coton. Voilà, je vais aller chercher une petite doudoune, on va se soigner, et puis je vais faire le trajet. Ouais, je vais prendre ça, tout ce qui est mechanical part, enfin tous ces trucs-là. On va commencer à transporter ça. Et éventuellement, moteur, on va en prendre deux pour l'instant. Ah oui. Doudoune. Ok, je l'ai réparé. Ah, nickel. Nickel, ok. Abby, est-ce que je prends des flingues? On a le fusil d'assaut. Ça, ça paraît pas mal. Ça va nous permettre de négocier avec les zombies. Et puis, je vais emmener des balles. Ah, il y a ça. J'aime faire des flèches. Ah oui, il faut du bois. J'allais me faire un peu de bois. Parce que là, on commence à être un petit peu court. Un petit peu court en bois. On va se refaire un petit stock. Ok. 5 litres de bois, on est pas mal. On est même pas mal du tout. Et ben c'est parti, je retourne à la fosse. On va pouvoir crafter quelques trucs et puis on va attaquer le couloir, enfin en tout cas la sortie mini-bike pour pouvoir accéder à la deuxième base un petit peu plus facilement. Ça permettra de terminer le déménagement dans bonnes conditions. Oh, j'ai oublié de me soigner. Du miel. On va prendre ça. Ouais, les œufs, ça sert à rien. Ah, les œufs. Ah oui, je voulais en profiter avant de partir. On va regarder où on en est niveau talent. Level 120. On est quel niveau? On est 115. Ça grimpe. Yep. On est arrivé. Bon, bah, je crois qu'on n'a pas grand monde. Ça, ça tourne. Ok. On va relancer un peu de ciment. Ah, puis on va pouvoir faire le crucible. Du fer forgé. Ah, du fer forgé, il va falloir que j'en refasse, je pense. Ouais, gagné. Allez, on se fait un petit crucible pour là. Ici, on va faire de l'acier forgé. Voilà. Bon, bah, ça tourne tranquillement.
Ah oui, et on avait le pont. Alors on a tout sauf eh bien, le fer forgé que je viens de relancer. Alors je vais en profiter, je vais me faire ma zone de cuisine. Un petit meuble comme ça. Et puis on va se faire le feu de camp. Ok. Je vais me faire un peu de viande grillée. Alors je vais pas tout faire, je vais m'en faire 5. Voilà. On va laisser ça ici. Alors j'ai rien ramené tout ça. Envie de commencer à faire peut-être de l'électricité. Alors pas dans cet épisode. Dans les prochains. Voilà, ça tourne. Allez, plus qu'un. Voilà. On va pouvoir se faire le pont. Voilà. Ça, ça me paraît bien, ça. Ça doit être super long à faire. Waouh, 11 minutes. C'est méga long. Allez, on rattrape la petite pelle. Alors, éventuellement, ça va être pas mal de relancer quelques outils. Notamment la pelle. On va lancer tout ça. Chaud. Ok. Bon bah je vais attaquer de creuser. On va réparer lui. Et puis vers midi. Alors je vais commencer à creuser. Puis à un moment, alors peut-être pas tout de suite. Je vais creuser un peu. Puis dès que j'en aurai marre, je commencerai. Je commencerai à aller aux 3 traders pour aller chercher éventuellement un autre plan. Alors, je préfère plus me prononcer parce que si jamais il n'y est pas. Ok, c'est parti.
ok. Et puis du coup, j'aurais juste à me faire hop, la petite fin de rampe ici. Alors du coup, si on veut que ça soit régulier par contre, ah, je peux pas le mettre ici. Ah, c'est moche, hein. Attendez, il faut que je le casse parce que du coup... Ouais, du coup, ça va m'embêter. Il faudra que je fasse un truc un peu plus... un petit peu plus propre. Peut-être en mettant... Parce que là, je peux pas le mettre. Ouais, on va le gérer... Ça va faire un raccord un peu chelou, mais bon. Là, j'aurais peut-être dû caler ça avant. On va dire que c'est fait exprès. Ok. Alors, il va me falloir des petites... Ouais, je vais aller coller. On va aller coller des structures pour terminer ça proprement. Et ensuite, il faudra partir au trader. Parce que sinon... On va se retrouver dans l'embarras. Ok, super. Je vais poser deux, trois petits trucs ici. Et puis ensuite, on file à la base. Ah, remarquez, on va peut-être aller... Ouais, on va peut-être aller chez le trader. Elle est juste au-dessus, elle. Voilà. Ah. Une petite horde. Avec un peu de chance, ils vont tomber là-dedans. Non ? Bon, c'est pas grave. Allez, je termine ça. C'est stylé, hein. La sortie de cette sortie est beaucoup trop cool. Ok, mini bike, on va les tester. Oh non, il faut que j'aille au trader, sinon je vais jamais avoir le temps d'y aller. Elle est en train de s'énerver dans le... Elle est en train de s'énerver dans le rocher. Les sous. Ah bah... Petite infirmière ultra rapide. Oh. Oh, j'ai plus de... J'ai plus ce qu'il faut. Ah, j'ai pas pensé à prendre le flingue. Ça, c'est moche. On a le gros. Moi, je vais avoir des flingues en bas. On va tenter. Ouais, c'est bon. Passage. Hop là. Discretos. On va aller chercher une arme. On va s'occuper de ton cas. Lui, il va me défoncer. Qu'est-ce que j'ai fait ? Que j'ai pas un fusil. Nickel, j'ai une arbalète. Ça fera le job. Hop. La situation, mes amis, est précaire.
Ok. Non mais le... On va pas s'en sortir. Hein. Voilà. Un petit peu trop nerveux à mon goût. Je vais aller looter le gros avant qu'il dépop. Oh, il arrive. J'ai récupéré des balles. Cool. Attendez, attendez, attendez. Allez, on va s'occuper de tout ça. Je pense à me balader avec mon flingue tout le temps. Parce que ça va me jouer des tours. Je vois l'heure qu'il est. Je pense que ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien d'aller au trader. On n'aura pas le temps de faire les trois, je pense. Donc ce que je vais faire, ouais, on va tester. Je vais tout simplement... ouais... je vais tester la petite descente, tiens, on va faire un peu de transport et puis on s'arrêtera là-dessus. Ça sera pas mal. On va voir si ça fonctionne mon affaire. Allez, je me récupère un peu de matos. Et puis on décolle. Alors je vais prendre quoi en priorité? Ah tiens, j'avais des flèches. Bien joué Jack. Pourquoi? D'accord, ouais, c'est parce que ça c'est un peu pourri. Il prend pas les flèches qu'il trouve. Par défaut. En plus, j'ai hyper faim. Ah, j'ai hyper faim. Bon, je vais prendre d'abord les armes. Des trucs de mitraillette. Mitraillette. Ah, mitraillette. On n'a pas testé ça. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Je vais la garder sur moi. Carcasse de mitraillette. Bon, on va prendre des balles et des douilles. De toute façon, vous m'avez dit en commentaire qu'il fallait que je m'active sur les... sur tout ce qui était armement. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Ouais, 18h30. On n'aura pas le temps de faire tout ce qu'on veut. En plus, j'ai hyper faim. Ouais, fusil d'assaut. Ça, ça déchire. Allez, je reprends une petite soie. Je vais prendre que des armes comme ça. Ça va faciliter le rangement. Allez, hop, c'est bon. Allez. Alors, il va falloir que je marque l'entrée. Histoire de pas la rater. Elle est à côté du petit arbre qui est là. Oh là 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 là. La petite entrée. Ça, ça fait bien plaisir. Il va falloir que j'élargisse ça. Ok, bon, il va falloir que j'agrandisse un petit peu tout ça. Bon, repas, parce que alors là, mon personnage est en train de crever de faim. Ouais, c'est bon, j'ai ça. Et voilà, j'ai ça. Je vais me préparer du yucca. Hop. Voilà, histoire d'être bien, et on va continuer de manger. Oh, il va falloir que je fasse le plein de nourriture. Bon, bah écoutez, moi ce que je vais faire, alors on va s'arrêter là-dessus, hein, on a déjà bien avancé. Moi ce que je vais faire pendant... alors paf... Oula. Valeur, qu'est-ce qui t'arrive? Ah voilà. Ouais, ce que je vais faire pendant la nuit, je vais commencer à mettre des rangements.
Alors avant, je vais creuser là, et puis je vais faire des rangements pour pouvoir ranger déjà tout ce qui est armement dans cette zone-là. Ça va être un peu la zone de baston. Et comme ça, on sera prêt pour la prochaine fois. Comme ça, moi, je vais creuser, j'ai tout ça, ça, on va... Voilà, on va le porter. Voilà, et puis je pense que, vu tous les morceaux qu'on a, on a plein de petits morceaux d'armes qui sont restés à la base, je les emmènerai au trader. Donc ce qu'on fera au prochain épisode... moi j'aurais avancé ici, notamment pour faire de la place. D'ailleurs je vais commencer pendant que je vous parle. Donc ouais, pour la prochaine fois je vais agrandir ici. Et puis comme ça j'aurai la place pour faire les premiers rangements. Et j'aurai essayé d'avancer sur le déménagement entre temps. Tiens, j'ai mis ça comme un gouignafier moi. Bon c'est pas grave, c'est provisoire. Après, j'essaierai de faire un petit aménagement un petit peu plus propre que ça. Bon, au niveau béton, je crois qu'on commence à être pas mal. Hein. Alors moi, ce que je vais commencer par faire, ouais, c'est les aménagements pour avoir des caisses ici, des caisses là, pour tout ce qui est matériel, et puis des caisses éventuellement... non, les armements, je vais peut-être le mettre là. Ouais, je pense que je vais le mettre ici. Ça paraît une bonne idée. Ouais, voilà, je vais faire des murs à ce niveau-là pour pouvoir tout ranger derrière proprement. Comme ça, ça fera vraiment une zone compacte et bien pratique. Eh bien, écoutez les amis, sur ce, on va se laisser. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. Pensez à me laisser un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, salut !